What we see is that you can find milk powder all over Burkina Faso, even within the smallest villages. And this is milk powder coming from Europe. So the farmers in Burkina Faso are directly in competition with very cheap milk powder coming from Europe. So the negative sides of the European milk production going into oversupply is directly affecting the milk farmers in Burkina Faso. Les produits laitiers qui rentrent au Burkina sont moins chers que notre production locale. Donc en ce moment, nous, en tant que producteurs, nous ne pouvons pas vivre de ce que nous faisons. Wir haben 2009, als wir den Lieferstreik gemacht haben, als wir 3 Millionen Liter Milch in Sinne auf die Felder versprüht haben, haben wir zum ersten Mal unerwartet eine große Solidarität der afrikanischen Bauern bekommen. Wir waren ganz erstaunt. Eigentlich, wenn man die Milch auf die Felder sprüht, die Milch vernichtet, bekommt man immer zu hören, nein, ihr müsst diese Milch nach Afrika machen, dort ist Hunger. Und dann versprühen wir diese Milch auf die Felder und gleichzeitig bekommen wir eine Solidaritätsbekundung dieser Bauern, dass wir mit unserer Überproduktion auch Hunger und Armut in ihren Ländern schaffen, weil wir sie, dieses Pulver, zu Dumpingpreisen dorthin exportieren. Il faut renforcer la production, il faut renforcer les structures sociales existantes pour que les gens puissent rester dans leur territoire, pour que les gens puissent produire, pour qu'ils puissent en tout cas vivre dignement de leur production. Sinon, on peut importer massivement, mais si ces structures-là sont détruites, ça veut dire que ça va créer l'exode rural, ça va créer, comment dirais-je, l'immigration. Ça a même créé des situations aujourd'hui où des gens sont fragiles et ils sont plus en plus, ils écoutent les discours des milliers de djihadistes. Donc c'est vraiment pour éviter tout ça. Donc voilà pourquoi nous avons eu l'idée de nous organiser en union nationale et pour défendre notre filière. Et de cette union nationale est créé aussi les partenariats directs avec les producteurs au niveau européen. Ça veut dire au niveau de la Belgique ici. Donc, pour appuyer, pour développer les mini-laiteries qui sont des bras économiques de nos producteurs aujourd'hui, au niveau de nos organisations aujourd'hui au niveau de Burkina Faso. C'est ça qu'on a fait.